Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un, je peux dire big, je pense, haul Temu. Alors là, je filme la première partie, que c'est deux commandes que j'ai reçues et j'en attends encore trois. Alors, il n'y a pas à chaque fois énormément de produits. C'est Yuki qui joue avec un papier. Mais voilà, à la longue, on cumule, on fait une ou deux commandes, trois, puis quatre, puis cinq, et puis ça paye beaucoup. Et à chaque fois, c'est pour un truc, je me retrouve avec des grosses commandes. Voilà, bref. Alors, je vais commencer par santé. Alors, j'ai commandé, suite au conseil de mon maman, qui m'en a dépanné une feuille, c'est des patchs, des slips. Patch, voilà, des patchs, c'est comme des gros pansements carrés que vous collez. Alors eux, ils disent sur la tempe ou sur le front. Ma mère, elle les colle là, donc moi, je les colle là aussi, pas de l'autre côté précisément. Maintenant, c'est à base d'huile essentielle. Là, c'est un lot de deux boîtes, donc il y a 240 patchs, je ne sais pas lire. Non, il y a 42 patchs par boîte. Normalement, il y a deux sortes, mais là, comme ils sont emballés, j'arrive pas à... Ah, ça y est, j'ai réussi à ouvrir. Maintenant, ça fait plusieurs fois, j'en ai testé 4 sur les 6 qu'elle m'a filé pour que j'essaye. Bon, ça a l'air d'être les mêmes, donc ils disent n'importe quoi. Je me demande si ça me donne pas mal la tête quand je me réveille le matin, puisque j'ai du mal. Allez, non. Je ne supporte pas trop les huiles essentielles. Donc comme il y a deux boîtes, je vais vous en mettre une de côté pour le prochain concours. Et je vais quand même garder l'autre au cas où. Et je recommanderai si jamais je vois que c'est vraiment efficace, ça l'est, parce que ça m'aide quand même à dormir. Mais je me demande si c'est pas ça qui me donne mal la tête le matin. Donc voilà. J'ai pris deux lots de pansements pour les talons. Voilà, parce que Georges, en ce moment, il a mal les talons au bord de sa basket là. Donc comme il part bientôt en excursion, je me suis dit comme ça il en a. Je vais lui mettre une pochette complète, comme ceci, il doit les changer, il pourra les changer autant qu'il a besoin. Et au moins, quand il marchera, ça lui fera pas mal et il n'aura pas des grosses cloques parce qu'il était arrangé la dernière fois. Donc voilà pour la partie soins. On va passer à la partie fringues. Bon, il n'y a pas énormément. D'abord, je me suis pris un lot de culottes. Donc, je vous les montre juste comme ça. Donc, normalement, il y en a 6, mais j'en ai une au cul. Voilà. Voulais les essayer. C'est juste marqué love sur la ceinture assez large. C'est des sans dentelle, donc je suis obligée, sinon je me tape des démangeaisons pas possible. Vous voyez, vous avez bleu, rouge, noir, bleu un peu plus ciel, rose pâle, là j'ai une rose fuchsia au cul. Et voilà, le lot était vraiment pas cher et c'est le genre de culotte que j'aime beaucoup et que je trouve moi principalement chez Primark. Sauf les deux dernières fois où j'y suis allée et j'étais en train de me dire il serait temps que je change mes culottes avec de la dentelle et tout ça parce que ça me démange de trop. Et comme je n'en trouvais pas, ben j'ai commandé celle-là. Et je suis bien dedans. J'ai recommandé un faux col comme ça, donc j'ai le même en blanc, mais là je l'ai pris en noir. J'aime trop. Donc voilà, c'est des faux cols, vous pouvez régler sur les côtés, donc ça va à peu près à toutes les tailles, je pense. C'est une taille unique. De toute façon, elle est en train de lui grogner dessus pour le bout de papier quand même. Et je trouve ça hyper, hyper classe. Du coup, pour aller avec le noir, je me suis acheté une nouvelle broche. Mais elle est trop belle. Avec un strass comme ça qui pend, pas une perle, c'est carrément une perle. Mais, regardez-moi ça. J'adore. Ça fait très vampire, je trouve, mais j'adore. Alors, on va passer au jouet pour les chiens, parce que j'ai acheté pas mal de jouets pour les chiens, parce que j'ai beaucoup de chiens. J'ai d'abord pris cette petite bouboule en corde. Alors, je prends que de la corde maintenant, parce que sinon, les trucs en plastique, les jouets, les pouettes-pouettes et tout ça, Riley, elle les bouffe, mais elle les démantibule, quoi. Donc là, j'aurais pris une petite baballe en corde. Pour l'instant, ils n'ont pas encore vu. Je ne leur donnerai qu'après, parce que sinon, ça va juste être un enfer. Ils vont se battre. Même qu'il y en a plusieurs, hein, ils vont se battre pour le même. J'ai pris celui-ci. Donc là, vous avez un truc à mâcher qui, à mon avis, ne fera pas long feu. Et une corde comme ça,
Donc vous avez la boule et la poignée. Ça, ils adorent. Ils en ont déjà un. Ils adorent ça. Et j'ai pris... J'en attends encore un que j'avais... J'ai pris en plus un espèce d'os en peluche. Bon, les peluches ne font pas très long feu non plus avec Riley. Mais ce débordeur, les frais de port gratuits. Enfin, pour pouvoir commander, en fait, faut, sur Temu, c'est ça qui est chiant, il faut 25 euros minimum de commande pour valider votre commande. Donc voilà, si vous avez juste besoin de deux articles et que ça fait 10 euros, vous ne pouvez pas commander. Contrairement à Shein ou AliExpress par exemple. Là, c'est un lot de 5, il me semble, et c'est aléatoire. C'est du random. C'est toute la corde. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Donc, tout d'abord, il y a de nouveau une petite bouboule comme ça. Très bien, il y en aura deux. Un petit comme ça. Alors ça, c'est le genre que Yuki adore. Voilà, parce qu'il est facile à les prendre dans la gueule. Il y a de nouveau un comme ça avec la bouboule. C'est beaucoup des bouboules. Sauf qu'il est plus grand. Il y a celui-ci qui est plus petit. Je ne vais pas leur donner tous en même temps. Et celui-ci. Voilà, comme ça, je pourrais changer quand il les abîme. Alors, on va passer à la dernière catégorie pour l'instant, c'est cheveux. Déjà, je me suis repris une brosse à cheveux en plastique comme ça, parce que j'aime bien les pointes en plastique. Et, ah, ça va, elle attrape bien les cheveux, puisque genre, je pique la mienne. Donc, comme ça, j'ai dit chacun la sienne. Hein. Moi, j'ai pris une rose et je lui laisse la verte, parce que j'en ai marre d'avoir ses cheveux dans ma brosse. J'ai pris pour Sam, mais je vais m'en garder un pour moi quand même, un lot de 4 serre-têtes. Alors, normalement, c'était censé être des mats. Il me semble que j'avais pris exprès des mats. Là, c'est des brillants, mais bon, écoutez. Je vais m'en garder un quand même pour moi. Mais comme lui, il les paume, bah, écoutez, voilà, comme ça. Ou qu'il les casse, c'est pas de la grande qualité, hein, c'est du plastique. Mais bon, il en aura 3 d'avance, plus celui qu'il a déjà. Je me suis repris des pinces à cheveux. Alors d'abord, j'ai repris un lot de comme ça. Je crois que c'est pas les mêmes couleurs. J'ai plus de batterie. C'est pas les mêmes couleurs que celles que j'ai. Je voulais des un peu plus roses. Donc j'ai fait attention qu'il y ait au moins 2 roses. Les mêmes. Voilà. Mais j'adore ces petites pinces-là. Vous avez vu que je les mets très souvent. Et j'ai également pris celles-ci. Là, il y en a beaucoup moins, mais elles sont brillantes. Voilà. C'est des chromatiques, hein, métalliques, hein. Ça changera un peu. Et les 3 dernières pièces, je me suis pris des postiches. Puisque j'ai décoloré mes cheveux, il fallait que je change la couleur. Donc d'abord, vous avez celui-ci avec un élastique. Elle est très longue. Voilà. Et je pense que les couleurs, j'ai pas trop mal visé. Celui-ci sont peut-être un peu plus jaunes que les autres, mais très beau. Je vous ferai une vidéo de comment je les mets. J'ai pris un lot de 2 tresses. J'adore. Elles sont hyper longues. Hyper, hyper, hyper longues. J'adore. Donc, vous pouvez... Aïe, aïe, aïe. Je me suis accrochée dans mon piercing. Ou alors, les mettre plus hautes, quoi. Enfin, faire des tresses africaines. Et j'ai pris une postiche avec une pince. Alors, comme d'habitude, la pince est hyper large. Là, il y a un filet, puisque c'est ondulé. Je vais pas réussir à enlever le filet d'ailleurs. Ils font toujours avec des grosses pinces comme ça, c'est chiant. Alors moi, le dernier que j'avais enlevé la pince et je la mettais avec des pinettes. Mais bon, là c'est un peu plus blanc, mais comme les cheveux seront remontés et que j'ai les racines un peu plus blanches, et quand j'aurai les cheveux blancs, ce sera très bien. Donc voilà. Voilà. Oui, vous savez que j'adore mettre des postiches quand j'ai les cheveux plus courts. Donc voilà pour la première partie. On se retrouve tout de suite pour vous pour la deuxième partie. J'aurai pas la même tête. Et voilà. Donc nous voici pour la deuxième partie du haul Temu en no make-up. Hein, parce que j'attends la visite. Je sais plus jamais comment me mettre pour que la luminosité soit bonne. Comme ça, ça m'a l'air pas mal. Ouais. Écoutez, on va voir. Donc en sachant que j'attendais plus que cette commande-là et une Shein, j'ai reçu les 2 hier. Shein, je vous ai montré dans mon vlog en toute logique. Et bah, j'attends encore 2 commandes Temu. Mais bon, là, il n'y a pas de quoi faire un haul. Hein. Vous verrez, je vous montrerai ça en vlog quand je recevrai. Donc, bah, écoutez, on va commencer tout de suite. D'abord, je me suis repris un leggings noir. Il y
Il y a un monsieur qui est passé avec son vélo. Donc d'abord, je me suis repris un leggings noir qui fait un peu pantalon. Parce que le mien commence à être vachement détendu. Donc il me tient moins bien. Et j'ai pris celui-ci. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, c'est un leggings. Sauf qu'il y a les petits détails de boutons et ici de plis, comme ça. Et je trouve ça très joli. Et voilà. Comme d'hab, j'ai tout pris en M. Bon, de toute façon, c'est le seul fringue que j'ai pris. J'ai pris des papoufs. Alors, j'ai pris celle-ci. Voilà. J'ai trouvé trop mignonne en teint café. Café ou tabac? Non, c'est café. Il me semble que c'est un peu taupe, quoi. Avec un petit ourson. Je sais pas ce qui est marqué, donc je peux pas lire. Et j'ai également pris celle-ci, donc c'est presque les mêmes que celles que j'ai déjà, mais voilà, je prends suivant le prix et je regarde surtout que ce soit une grande semelle et c'est tout. Voilà. Alors j'ai pris ceci, c'est une brosse pour les poils, enfin racloir pour les poils. J'ai vu ça, ils utilisent ça sur les trucs des canapés. Et j'ai montré hier à ma mère, parce qu'elle était là quand j'ai reçu le colis. Et du coup, elle me dit, ah bah écoute, je viens de le recevoir et ça marche super bien. Elle dit même pour les vêtements. Donc voilà, c'est une spatula. Et passer ça, c'est en silicone. Hein. Donc bah écoutez, j'ai hâte de tester. Bon, là, j'ai pas de poils, donc je ne saurais vous dire. Mais je vais tester ça, je pense, sur mon canapé. Et voilà. Ils sont en train de se battre pour une vieille chaussette. Et j'ai également pris un appareil anti-bouloche. Ça fait longtemps que je voulais m'en prendre un parce que bon, les vêtements que j'ai de chez Chine, tout ça. Hey, ils boulochent quand même relativement vite, surtout que ben, je les utilise tout le temps, je mets tout le temps les mêmes. Donc, alors le gros problème des trucs chinois, c'est que les piles rechargeables ne vont pas à l'intérieur. Donc il va falloir que je rachète des piles parce que je n'en ai plus. Et c'est deux AA qu'il faut que vous mettez ici dans le cucux. Et voilà, faudra aussi que je teste, mais je vais aller chez Action, je sais pas quand. Je regarderai pour acheter des piles, parce que j'ai que des piles rechargeables. Moi, j'ai jamais de piles. Donc, vous avez long, short. Voilà, je vais choisir le système de rasage, et on verra. Ma mère a dit qu'elle avait testé, que ça ne marchait pas vraiment, alors que du coup, elle avait acheté un espèce de rasoir, et que ça marchait mieux. Donc je verrai bien, écoute, ça marche pas. Et alors j'ai commandé, les deux commandes là, c'était juste pour deux paires de godasses. C'était pour avoir les 25 ou 30 euros de frais pour pouvoir commander. Alors la première commande, c'était pour ces godasses là, pour l'été, en jeans. Effet journal ici, j'ai beaucoup aimé la semelle. Alors j'ai pris en 39 comme je prends d'habitude, mais elles sont un tout petit peu trop grandes, j'aurais dû prendre du 38,5. Là c'est marqué 41, hein. Je sais pas comment ce qu'ils calculent leur truc, sauf que j'ai commandé sur AliExpress des semelles pour mettre à l'intérieur pour éviter, parce que là j'ai du mal à marcher avec vu que ma courbure du pied descend trop bas, donc voilà. Je verrai ce que ça donne, sinon au pire je les donnerai à ma mère ou à quelqu'un d'autre, ou je les remettrai sur Vinted, je ne sais pas, je verrai bien à ce moment là. Je vais essayer aussi de resserrer ici, mais il faut que je fasse un trou. Et voilà pour celles-là. Elles étaient vraiment pas bien chères et je les ai trouvées trop belles pour l'été. C'est le genre de godasses que j'adore à enfiler rapidement quand je dois aller chez Akini ou des trucs comme ça. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai avec les close-up des chaussures, j'ai Footloose en tête. Si vous avez la ref. Et la deuxième paire, oh my god, elles sont trop belles. C'est plus habillé, hein, mais... Oh, elles sont trop belles. Ça brille. C'est pas des paillettes, c'est des tout petits strass. C'est un espèce de foudin, hein, voilà, un peu velours comme ça. Elles sont magnifiques. Bon, elles me serrent un peu ici parce que, enfin, c'est pas serré, c'est qu'elles sont un peu tranchantes ici, donc il faut le temps qu'elles se fassent. Mais my god, elles sont trop belles. J'adore. Ah, elles sont canon. Canon, canon, canon. J'aime trop. Vous avez tout mon haul Temu dans les deux autres que j'attends. Alors j'attends, ça sera une suite de vidéos. Je vous montrerai ça en vlog. Et j'ai commandé deux t-shirts et un pull, enfin un t-shirt manche longue avec des gnomes.
J'ai toujours dans ma passe gnome, apparemment, hein, mais voilà, depuis l'automne, ça n'arrête pas. Ah, une tasse gnome. Voilà. Donc, vous verrez ça dans les vlogs qui suivent, qu'une fois que je les aurai reçus, parce que je ne pouvais pas faire un haul pour 3 t-shirts, une tasse et des palettes. Voilà, on en reparlera quand je les aurai reçus. Donc, j'espère que vous avez aimé ce haul. Dites-moi si c'est des produits qui vous intéressent en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.